dans le noir par les phares, c'est non. J't'oublie, t'accroche pas, j'ai dit non, c'est non. Bon, les gars, c'est la même. Bon, les gars, c'est la même, c'est la haine qui anime. Y'a pas de super, on laisse ça aux animes. Mais toi, t'es du père si t'as pas les canines. Comme dans un Call of, c'est boisson qui ranime. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Équipe, bon, bah, c'est parti pour une petite vidéo de TJ Mardi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je vous sans entrer sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit boulot, un petit commentaire, on commence tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo du mardi, on a Laser de la MMZ qui a annoncé la sortie de son premier album en solo qui va s'appeler Bushido et qui sera disponible le 9 juin. Ensuite, en parlant de sortie, il y a Fresh Lapefra qui a annoncé la sortie de la réédition de son album À l'abri qui est disponible le 19 mai. Et en gros, ça se fera pendant la diffusion de Nouvelle École saison 2. Ensuite, il y a Gims qui a réagi à la polémique par rapport à l'animal sauvage qu'il a mis en vidéo et qui a fait polémique, puisque je rappelle qu'il y a plein de protections animales justement qui se sont plaintes, tu vois. Et ben là, en fait, il a republié une vidéo justement du caracal et il a dit « Le saviez-vous, le caracal descend directement du sphinx de Gizeh. Désolé, il est trop mignon. Et ça, j'ai le droit ?» Point d'interrogation. Et on peut voir qu'il a mis une photo d'un tigre. Et voilà. Et en gros, il a publié ben, plusieurs autres vidéos avec le caracal. Ensuite, on a Feneu qui a publié un épisode 3 sur son compte Instagram. Et on peut voir qu'il a écrit « Épisode 3, réveillez-nous ». Et en gros, c'est une sorte de rappel. Et vraiment, sa vidéo, elle est vraiment touchante. Je tenais vraiment à vous la partager. Regardez. Cette vie-là est éphémère. Pendant combien de temps tu vas être hypnotisé par l'argent? Passer ton temps à critiquer, à vivre dans la violence, à être dans l'alcool, dans les paris sportifs, perdu de temps sur TikTok, à vendre de la drogue, à regarder les femmes, à faire des actes regrettables. Allez, réveillons-nous, aidons-nous les uns les autres, soyons doux entre nous, dans les rappels et pas dans le jugement. C'est un peu trop tôt pour dire qu'il est trop tard. Le temps, c'est un mensonge. Ceux qui nous ont quittés aujourd'hui pensaient avoir le temps hier. Malheureusement, la mort s'en fout de notre vie. Elle s'en fout que tu sois prêt ou pas, sois prêt maintenant. Lisons plus, lâchons nos têtes, venons on apaise nos cœurs, venons on se pardonne. Voilà, ce n'est pas une leçon ni un jugement. Je suis pas mieux que vous du tout, du tout, du tout. Mais aidez-moi, je vous aide aussi, pour pas que vous oubliez que... Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Boleman, qui avait clashé ben, tout le Seven Banks dans un son. Et juste après, en fait, ben, il les avait pas vraiment clashés, tu vois. C'est ce que les gens voulaient entendre. Et ben là, en fait, il y a Kobalade et Boleman qui sont passés en interview passe-passe sur la chaîne de Raplume. Sauf que, au lieu de ce soit Kobalade, et ben c'est Matke, son petit frère, qui est venu. Puisque Kobalade, il pouvait pas être là au moment-là, tu vois. Et il est revenu sur cette question, justement. Du pourquoi, du comment, ben, c'est venu à là. Bref, c'est quoi, regardez. Raconter comment t'as eu l'idée du faux clash. Comment j'ai eu l'idée du faux clash? Attends, comment je l'ai eu l'idée? En fait, j'étais au studio. Après, j'ai dit, wesh, j'entends, maman, pas entendu ça. Après, j'ai dit, vas-y, je vais les fuck. Et après, voilà. C'est tout. Ah, tu voulais savoir plus encore? Tu veux que je rentre dans les détails? Non, mais si ça te paraît. Ça te paraît suffisant ce que t'as dit, c'est bon. Mais... Est-ce que c'est suffisant pour les gens? Non, je pense pas. Vas-y, tranquille. C'est bon, c'est suffisant. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Kobalade, qui est passé en interview sur Click avec Mouloud. Et dedans, en fait, il est revenu ben, sur ce qui s'est passé avec son ancien manager de Spi. Et sur plusieurs autres choses par rapport au Seven Banks. Et encore autre chose de toute sa carrière, tu vois. Et vraiment, l'interview, elle est vraiment intéressante. Et elle est disponible directement sur le site de Click. Et il n'y a même pas besoin de créer de compte, vous pouvez la regarder comme ça. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc voilà. Donc vraiment, ben, je vous invite à aller la voir. Je vous ai fait une petite compile justement ben, de ce qu'il dit dedans. Mais c'est un truc de ouf. Je vous invite vraiment à aller voir l'interview. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Il y en a qui pensent que ta réussite, c'est la raison de leur échec. Ah mais eux, c'est des fous. Parce que moi, gros, je suis dans des projets. Le projet Seven Banks, gros, par exemple, ce projet, moi, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce projet en soi. Sincèrement, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de ce projet. Moi, j'ai pas besoin d'une compile de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est le quartier et parce que c'est mes gars. Enfin, c'était mes gars. Ça veut dire que pour moi, c'était normal que je mette ma voix dedans. Mais en soi, j'étais pas obligé de le faire. Et quand tu vois qu'on met de remercier après, il y a du dégoût, frère. Voilà. Dégoûté. T'es fou, voilà. Vas-y, nique sa mère, voilà. Tu penses que t'arriveras à te faire des nouveaux amis dans le temps ou t'as bloqué la porte? Moi, je fais pas de nouveaux amis. Non. Ça, c'est du business. On est là, on bosse ensemble. On peut bien s'entendre et bosser ensemble. C'est une chose, tout ça. Mais non, j'ai pas de nouveaux amis. Je veux pas m'en faire. Je préfère rester avec mes zincs. Et je sais qu'avec eux, je fais tout dans tous les cas avec eux. On bosse ensemble, on rigole ensemble, on vit ensemble, on dort ensemble, on est toute l'année ensemble, tu vois. Et de me faire des potes dehors. Que après, ces mêmes gens avec qui, tac, ils me font des trucs chelous. Donc, après, ça sert à rien. Le quartier, t'y retournes des fois? Non, pas moi. Mon petit frère, ouais, pas moi. J'ai rien à faire là-bas. Je peux passer dans la ville, je vais voir Bolé, mais sinon, non, j'y vais pas, voilà. Donc t'as quitté le quartier? Ouais, j'ai quitté, clair.
J'ai fait bordel avant de quitter, j'ai taillé. J'ai fait bordel après, j'ai taillé. Et ouais. Voilà, et en parlant de Koba, il a également parlé de l'affaire de Pierre Palmade. En gros, ben, il a expliqué que lui, s'il avait été en prison, c'est par rapport à sa couleur de peau. Et que Pierre Palmade, si lui il a pas été, c'est aussi par rapport à sa couleur de peau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en gros, ben, ça a tourné de fou, donc je tenais vraiment à vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis d'une bagarre d'une boîte de nuit, j'ai pris 4 mois. Il a tué un enfant, il était sous je sais pas quoi, il est dehors, t'as vu, c'est la France. Est-ce que t'as regardé l'affaire Pierre Palmade quand t'étais en prison? J'ai suivi un peu. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? C'est la France, gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand t'as la peau un peu plus foncée, c'est un peu plus dur. Moi, je suis d'une bagarre d'une boîte de nuit, j'ai pris 4 mois. Il a tué un enfant, il était sous je sais pas quoi, il est dehors, t'as vu? C'est la France. J'ai pas pleuré sur mon sort. On n'est pas tout blanc dans cette histoire. T'as vu ou pas? J'essaye pas de me comparer à lui, pour, ça va que me monter les nerfs, tu vois. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Si lui, il est pas en prison, bah tant mieux pour lui, qu'est-ce que je te dise? Si Dieu veut, la justice fera son travail correctement. Mais il est bien, en tout cas, il a de la chance. Si les gens maintenant ils peuvent être sous coke, sous alcool et tuer des bébés et ne pas aller en prison, bah, tant mieux pour eux, gros. Donc toi, le message que t'as perçu, c'est star ou pas star, tu restes un noir. C'est réel en tout cas, je le dis pas, hein. c'est eux qui le montrent. Ensuite, on a Stromae qui a annulé son multitude tour, en gros sa tournée, puisqu'en gros bah, il y a des problèmes de santé et il l'a annoncé directement sur Instagram. En gros, il a dit multitude tour Stromae. L'album Multitude et la tournée que nous avons lancée ensemble il y a plus d'un an sont pour moi un aboutissement et une grande fierté personnelle et collective. J'ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène depuis le début de cette tournée et à partager cette aventure avec toutes les équipes qui ont conçu ce show exceptionnel à mes côtés. Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m'ont conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe. Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe, j'espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible. Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais. Et c'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt de Multitude Tour aujourd'hui. Cette décision est difficile, mais nécessaire pour pouvoir aller mieux. Je tenais par ces mots à vous expliquer cette décision et à présenter à toutes et à tous mes sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j'attendais autant que vous, auxquels je dois renoncer malgré moi. Tous les messages de soutien et d'affection que j'ai pu lire depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux m'ont beaucoup touché. Je mesure pleinement la chance que j'ai eue d'avoir pu aller à votre rencontre, ne fût-ce que partiellement, et que pour cela, je vous remercie. Paul. Et c'est le message qu'il a mis sur les réseaux pour annoncer ben, que sa tournée est annulée suite à son état de santé. Donc vraiment, ouais, ben, ça passe avant tout la santé. Donc vraiment, ouais, tout mon courage à Stromae et j'espère vraiment que ça va aller mieux. C'est un truc de ouf, là, ce qu'il vient d'annoncer, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et le message, je le lis en même temps que vous. Donc pour ceux qui pensent que justement, j'ai relu les messages avant, etc. Et que je me trompe sur certains mots, non, c'est parce qu'en fait, généralement, je suis en impro et que je tombe sur les actus en même temps que vous. J'enregistre, mais je lis pas trop, tu vois, vraiment ce qu'il y a dedans. Donc voilà, l'équipe, c'est vraiment un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, on a vu que Dylan Thierry, il a annoncé qu'il se retirait des réseaux. Et que Booba, il s'est fait bloquer sur Twitter. Et moi, personnellement, je me suis fait bloquer aujourd'hui. Bref. Et ben, on peut voir que Booba, il a répondu à sa publication. Il a dit « Reviens plus fort, on sera là pour t'accueillir. » Et il a mis un drapeau pirate. Ensuite, en parlant de Booba, il y a quelques jours, on a parlé de son concert en Côte d'Ivoire. Et du clash qu'il avait eu avec Caris. Et ben là, en fait, il y a une vidéo qui est ressortie. Et en gros, ben, il a pris une bouteille en direct de son concert. Et sa réaction, elle a pas mal tourné. Il y a du monde qui est en train de la faire tourner partout. Et il y a Kunta Kinte qui l'a repartagé. Donc, venez regarder. Faites le bordel. Attention avec les lancers de bouteilles. Je vais te sauter dessus, frère. Je vais t'éteindre. Ressaisis-toi vite, très vite. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Tu nous compares avec TY, on écrase les remparts. On part pour lesquels nous parle pas de rancard. Voilà pour sauver le monde, boy. Fais ça aux animes, je reste unanime, c'est la haine qui m'anime. Comme dans Call of, c'est Boisson qui ranime. Et dans le noir, par les phares, c'est non. T'accroches pas, j'ai dit non, c'est non. Avec mes poteaux dans la cage, je suis comme Mac Ménian. Le flow à ses 1000 ans, le cœur noir saignant. Du truc.
Donc voilà, qui se passe entre hier soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, si on y revoit ensemble, si t'en penses dans les commentaires, et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire qui met un top 3 pour c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, et ouais, en ce moment, c'est vraiment un truc de fou niveau actualité, tu vois, parce que je dors pas beaucoup pour pouvoir regrouper tout ça, vraiment, c'est la galère, c'est un truc de ouf. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans le game en ce moment, c'est une dinguerie. Enfin bref, je te dis à soir pour une conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. En bref, peace les games. H24 dans la tête, refourque cette merde en quantité. Le passé, c'est le passé, ça sert à rien de ressasser. Pouf, qu'on fait pas sans plan, trahis-nous, tu repars sans temps. C'est plus comme avant, les anciens, ils ont fait leur temps. Tu me parles de gang, mais quand faut le faire, tu mets pas les gants. Dès que j'en attends, et y'a personne pour tenir la pleure. T'entends des coups tous, putain, t'as pris peur. Le bruit de la portière compté à plusieurs, tu peux rien y faire. Ce piste n'a pas de cœur, je la baisse à l'hôtel, c'est moi ce facteur. Zéro jeu d'acteur, zéro jeu d'acteur. Ce piste n'a pas de cœur, fils de pute, c'est moi son facteur. J'vis ma vie, gros, j'ai pas besoin de parler. J'compte jamais un sous peu. Le rock qui pèse, faut finir d'emballer. J'crois faire les fleurs, le spell.